Yo, salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Gunzi et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Fight Club. Ça faisait un moment que j'avais pas sorti des épisodes du Fight Club, vous étiez beaucoup à m'en demander. Le dernier c'était avec Atsushi, vous aviez beaucoup aimé et aujourd'hui les gars on se retrouve avec une nouvelle tête, une bonne tête et pas n'importe quelle tête les gars. Hop, Bobby dans la maison, comment est-ce que ça va frérot? Ça va, nickel. Et toi, en tout cas, merci de l'invitation pour ce Fight Club, du coup. Non, t'inquiète, c'est normal. De toute façon, on dit, c'est quoi l'expression déjà? C'est les grosses têtes, elles sont obligées de se rencontrer ou... Ouais, On va dire que c'est ça. voilà. En tout cas, je me suis compris. Non, on était obligés de se rencontrer, on était obligés de se faire ça. Les grands esprits se rencontrent. Voilà, les grands esprits sont obligés de se rencontrer. Donc, ouais, je disais que moi, je regarde beaucoup tes vidéos. Moi, je suis un grand consommateur de vidéos YouTube et à cet anniversaire, bah, t'es revenu en force. Hein. T'as sorti pas mal de vidéos. Quand il y a des news, bah, t'es à l'affût. T'es là, t'es présent, t'as couvert l'anniversaire en vrai. Hein. T'as fait des vidéos sur tous les portails presque. Et bah, du coup, là, on se retrouve pour la fin du Super Dream Fest. Et déjà, premièrement, ton ressenti sur l'anniversaire, qu'est-ce que t'en penses? T'as kiffé? T'as pas kiffé? Dis-moi tout. Moi, mon ressenti sur l'anniversaire, c'est déjà en termes de contenu, je pensais comme tout le monde, pour moi, c'est pas l'anniversaire, c'est une célébration classique de Captain Tsubasa. Hein. Ils n'ont rien inventé, il n'y a rien de nouveau. On a eu un event à ballon, quoi, ballon, un event à médaille à farmer, on a eu une cup ou deux cups. Voilà, on a eu des missions avec 30 Dream Ball la première fois, et après, je crois qu'il n'y avait même pas de Dream Ball la deuxième fois à gratter. C'était que des ballons. Alors que à ce niveau-là, je trouve que c'était pas forcément pour moi, je la vois, c'est pas une célébration anniversaire quoi. Après, par contre, là où ils ont été très carrés et où je trouve que ça a été très bien géré cette fois-ci, c'est le fait qu'on a eu tous les portails en avance. C'est le Ouais. fait que tous les portails, mis à part le super, bah, du coup le mini Dream Fest, le Super Dream Co et le portail allemand, tous les portails sont encore là à l'heure où on fait cette vidéo, vu qu'ils vont partir que demain matin à 9h. Franchement, ça t'a laissé le temps de mettre tes Dream Balls de côté, de savoir où tu vas invoquer, et pas forcément de te jeter, et après de te faire piner, tu vois, parce que t'as un truc qui est meilleur que l'autre qui arrive. Et ils nous ont dit au début de l'anniversaire que tous les portails ne sont pas annoncés, et tous les portails qui n'ont pas été annoncés, c'était juste des récaps à 100 ans de Dream Ball, où je pense qu'il y a très très peu de monde qui a invoqué. Donc ça, franchement, c'était carré. C'est ça. Après, cet anniversaire, c'est le premier anniversaire sous la nouvelle direction. Je crois qu'il y a une nouvelle direction, un nouveau directeur, c'est ça, non, de club? Ouais, ça a changé, je crois que ouais, c'est ça. Premier anniversaire où ça a changé. Mais voilà, après, franchement, même si c'est le premier anniversaire où ça a changé, en termes d'event, pour l'instant, c'est pareil. Après, tu sais quoi, je pense que je vais mettre plus d'attente, on verra, dans 6 mois, à l'anniversaire global. On va dire qu'on va laisser le temps de voir s'il change vraiment les choses. Et à l'anniversaire global, on sera fixé, ça fera quasiment un an qu'ils sont là, s'il n'y a pas quoi, un an ou 6 mois qu'ils sont là. S'il n'y a pas de changement là, frère, c'est que du coup la direction du jeu elle est comme ça et elle restera comme ça, tu vois. Après, moi, c'est pas pour me déranger forcément, tu vois, parce que ça reste un jeu mobile. Normalement, pour moi, t'es pas censé non plus passer. Genre, on a trop pris les jeux mobiles pour des consoles. Totalement d'accord avec toi. On n'est pas censé passer de 5 heures à farmer sur un jeu mobile. Normalement, un jeu mobile, tu dois le sortir, je vais te dire une connerie, quand t'es au chiotte, tu sors ton jeu Ouais, ou dans mobile. le métro, t'es Dans le posé métro, vite fait, salle 5 d'attente, c'est minutes. ça. C'est ça, même si tu le sors 2 heures, même si tu vas jouer 2 heures à ton jeu mobile dans la journée, ça doit être 20 minutes là, 10 minutes là-bas, 15 minutes ici, 30 minutes là-bas. Et c'est pas 2 heures à temps plein à se bousiller les yeux. Même moi, des fois je le fais, hein, quand je dois farmer un event, que j'ai du retard, je vais me mettre 2-3 heures sur mon téléphone. Après, l'avantage, c'est que tu peux farmer, aller boire un coup avec tes collègues, poser ton téléphone sur la table et farmer sur Tsubasa. En automatique, ça passe, tu vois. Mais beaucoup de monde disent ouais, le contenu, mais frère, le contenu il n'est pas fait pour. De toute façon, Tsubasa s'est orienté PVP à 100%, malheureusement. Après, il n'y a pas d'invention non plus au niveau du PVP, mais je trouve qu'ils ont abandonné certaines idées qu'ils faisaient avant, et c'est dommage. Genre, Time Attack, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un Time Attack avec un nouveau perso? Il y en a, ils aimaient bien, moi j'aimais pas le format, On hein, je le a faisais pas. actuellement le time attack, on a que 4 persos, je crois, Ouais, non? on a Levin, Levin, Yuga, Shunko et Shunko et Müller, Müller. c'est tout. Ouais. Et ils se sont pas dit sortir un nouveau perso, non? Bah ouais, bah moi je pensais que le Time Attack ça allait devenir un événement habituel de Captain Tsubasa, je sais pas, genre tous les mois. Comme regarde, on a bien chaque mois, on a bien comment ça Le s'appelle, World le Challenge? Challenge Road. Voilà, le Challenge Road, mais Ouais, même, et tu sais, même t'as le Challenge 30 DB. Road, ouais. Voilà, à ces événements-là, pour moi le Time Attack, je pensais que ça allait devenir un truc comme ça, ou chaque mois, ou pas changer forcément le perso chaque mois.
sais, le temps que tu le montes, je sais pas, tu laisses un perso pendant 2-3 mois, et tous les 2-3 mois, tu nous mets un nouveau perso. Tu vois, et en plus, ça permet aux personnages d'avoir de nouvelles TS. Hein. On sait que en plus, on a des personnages à qui, pour récupérer les TS, c'est assez compliqué. Et il y en a d'autres, on se retrouve avec les mêmes TS à chaque fois. Donc le time attack, ça aurait pu être une option pour permettre d'enrichir le jeu à ce niveau-là, au niveau des techniques spéciales. Et aussi la beauté des cartes, parce que les cartes sont belles. Et en plus, du coup, c'est vrai que les cartes du time attack, elles sont quand même assez réussies. Hein. Bah ouais, et c'est des belles cartes, du coup, des belles spells et tout, et accessibles à... C'est compliqué d'être accessible à tout le monde, parce que des fois, ils te demandent des trucs, c'est un peu abusé, tu vois, bon bref. Mais à une grande partie quand même de la commu qui peut se permettre de le farmer. De toute façon, maintenant, on va pas se mentir, avec les comptes chinois, frère, c'est accessible à tout le monde, hein, réellement. Frère, tu vas dans le PVP, 90% c'est des comptes chinois. J'ai rien contre les comptes chinois, j'en utilise moi-même, attention, je ne critique pas. T'inquiète, voilà, on va arriver sur ce sujet-là, t'inquiète pas. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que maintenant, c'est vrai qu'il n'y a que de ça, et du coup, après, c'est normal, hein, vu comment tu te fais fister sur les portails et tout, est-ce que tu as envie de donner 90€ à clap pour descendre une bonne, finalement? Moi, personnellement, non. Tu vois, donc je veux dire, avec ces comptes-là, ça donne l'accès à beaucoup plus d'events, un peu plus dur pour tout le monde finalement. Donc le time attack. Après, pour finir sur le time attack, je trouve que si Clab avait poussé le délire un peu plus loin, ça nous aurait permis d'avoir plus de persos coffres jouables. Parce que je sais pas si t'as remarqué, mais les persos coffres qui sont sortis dernièrement, moi j'ai vu en PVP et ils sont casse-couilles. Hein. Je pense surtout au Giotto coffre rouge. C'est sacré Giotto coffre. Le Jito, c'est une dinguerie. Mais après, c'est dommage aussi que, tu vois, en event PVE, on pourrait avoir plus de persos à farmer. Et de genre, peut-être pas, mais c'est logique, ça sera pas meilleur qu'un Dreamfest ou un Dreamco, tu vois, ou oui, un portail invocable. Mais, tu vois, ça serait bien qu'on puisse, même entre nous, tu vois, se dire, allez, on fait un défi, on va faire une team full coffre, tu vois, full gratuite pour voir ce qu'on fait. Frère, c'est compliqué parce que les persos coffres gratuits qu'il y a qui sont restés, t'as vu, c'est des persos R que tu montes en UR et qu'ils ont des TS A et C. C'est ça. Tu vois? Et ça, je trouve ça dommage parce que, en vrai, et même, il y a un truc aussi dans les événements. Tu vois, je parlais, on a eu un event à médaille. Là, demain, on a un event à points, mais bon, l'anniversaire est censé être fini. Du coup, pendant l'anniversaire, on a eu un event à médaille. Frère, dans l'event à médaille, ça te met encore des persos avec des TS A. Mais faut arrêter ça au bout d'un moment, ça y est. C'est vrai qu'on a des persos coffres avec des SSR, ils auraient pu essayer d'innover, ouais. Soit même mettre des nouveaux persos coffres, parce que il me semble que c'est des persos qui sont déjà sortis en fait. Ah, c'est que des persos déjà sortis, on n'a pas eu de nouveaux persos, on a eu le Yuga. Bon, on a eu le Yuga, mais bon, à côté, je sais pas, ils auraient pu nous mettre... mais ils auraient pu mettre des persos en fait. Écoute, c'est un anniversaire, ils auraient pu mettre 4-5 persos coffres s'ils veulent, ça leur coûte rien du tout. De toute façon, leur perso coffre, demain je te mets même un Schneider Bayern coffre. Si quand je te sortirai le Dreamfest, tu m'invoquer dessus, tu vas pas dire non, c'est bon, j'ai le coffre, je vais pas invoquer dessus, tu vois. Ça, c'est pas vrai, tu vois. Donc ils auraient pu nous sortir plus de persos avec des. T'aurais imaginé un petit Zidane coffre jouable ou un Misaki coffre jouable? Frère, Zidane, on nous a sorti une TS en début d'anniversaire, on l'a jamais vu, Zidane. Ah. Moi, c'est ça, je comprends pas aussi. Ils ont sorti Lapin. C'était le bait. C'est Lapin pour le Dreamco qui va arriver après anniversaire. À chaque fois, il y a un gros perso qui sort après anniversaire. L'année dernière, c'était Waka. Là, frère, voilà, il y aura sûrement Dreamco, le Zidane. Ou je vois pas Schneider Bayern arriver en Dreamco. Peut-être même en Dreamfest en fin de mois, tu vois. Mais au Dreamco, il va avoir un gros joueur, tu vois, encore. C'est sûr. Mais je veux dire, pourquoi tu me fais farmer une interception de Zidane? Fais-moi passer, par exemple. Fais-moi farmer un tackle de Levin par exemple. C'est alors, ça a plus de sens. Ou même un tackle de Cruyford, un nouveau tackle pour Cruyford ou autre. Une passe, un tackle, une volée, un truc, mais pour un perso que tu mets dans l'anniversaire. Tu m'as fait farmer quelque chose pendant l'anniversaire pour un truc qui n'est pas l'anniversaire. L'event de. Je suis désolé pour ce qu'on appelle un event, parce que moi le jour même je l'avais plié, hein, comme beaucoup d'autres personnes, je pense. L'interception de Zidane, frère, si tu. Mettons, on va dire, tu sors Zidane au Dreamco le mois prochain, du coup le 15. Rien ne t'empêchait de mettre en même temps l'Inter pour Zidane, c'est pas grave, ça faisait un event en plus ce jour-là, et c'est pas non plus l'event du siècle. Quoi. Après, là, en plus, l'Inter, on n'est même pas sûr qu'elle revienne tout de suite, hein. Bon, elle va peut-être revenir, ça. Mais on n'est pas sûr à 100% en fait. Ouais, non, mais surtout, c'est que je vois pas l'intérêt en fait de faire ça pour pas mettre le perso en fait. Après, c'est pourquoi? Pour nous faire une feinte, un contre-pied? Comme ça, tout le monde a cru qu'il y avait... Après, Clab, j'ai remarqué, franchement, avec eux, il faut pas chercher de logique.
Je pense qu'ils ont leur propre sens à eux qui, pour le sens, pour les, enfin pour le commun des mortels, est très peu compréhensible. Mais non, en tout cas, moi je pense qu'ils sont très malins. Tout est fait exprès, tout est calculé. Ouais. Je sais que ils calculent beaucoup, mais parfois il fait dur à comprendre. Regarde là, pour vite fait passer sur le Super Dream Fest, t'as deux joueurs Bayern Munich, ok, ouais. Deux joueurs des Bœufs, un dans chaque portail. Tu sais pourquoi? Pour que t'invoques sur les deux portails. Ouais. C'est tout, frère. Ouais, ouais. Ouais, parce que s'ils veulent, ils te mettent les deux. La logique, hein. Tu te dis, bah, tu mets les deux debuffs ensemble. En plus, c'est la même équipe Bayern, les deux buffs ensemble. Et on est carré, tu vois. Et c'est carré. Avec ta chance, peut-être tu vas faire une multi, tu tombes les deux, t'as gagné. Au revoir. Ben non, comme ça, quand t'en as un, tu vas aller chercher l'autre. C'est tout. C'est vrai que tu peux aller avec 1000 Dream Ball sur un portail, te dire que vas-y, pendant les invocations, tu vas peut-être en tober un et l'autre, tu vas le récupérer avec la Pichi. Mais là, non, t'es obligé d'aller sur les deux, t'es même pas sûr d'avoir les deux, du coup, au final. Bah oui, mais regarde, t'as vu quand tu prends n'importe quel portail. Ils sont malins, quand tu prends n'importe quel portail, hors Dreamfest, Dreamco et tout. T'as vu, tu peux voir où t'en es sur le portail, genre, t'as vu, ça marque 300 points. Tu peux voir si t'as 150 points, 110 points à force d'invoquer. Ben, les Super Dreamfest et tout, t'es obligé d'aller dans le shop pour voir. Comme ça, s'il te manque 10 médailles, tu passes devant le shop et t'as envie d'acheter. C'est ça. C'est tout calculé, tu vois. Donc leur histoire de Zedan, l'interception là, c'est pour nous frustrer qu'il soit pas sorti. Et t'inquiète pas qu'il arrive bientôt, Zedan. Ouais, non, franchement, moi je suis confiant sur ça. Je sais qu'ils vont arriver tôt ou tard, c'est sûr. Hein. Maintenant, c'est juste que les gens commencent à s'impatienter en fait. Ouais, voilà, ils sont frustrés. C'est ça. Même ils le Misaki PSG, ça fait un peu plus longtemps qu'on l'attend, lui. Bah, Misaki PSG, depuis qu'on a eu Pierre, on a tous les mois quelqu'un à colle le Misaki PSG. C'est vrai que j'ai pas passé un mois sans entendre Misaki PSG en tant que prédiction. Pour moi, j'ai dit l'arrivée à un anniversaire, tu vois, c'était la logique, c'est comme Misaki. Et là, même là, l'anniversaire, tu vois, c'est l'anniversaire de la version japonaise. Et je crois que ça va faire le premier anniversaire où on n'a pas de Misaki. Non, mais c'est surtout, t'as pas de Misaki, t'as pas de Genzo. T'as 3 japonais, frère, 4 japonais, du coup, qui sont sortis avec le Shimazu. T'as même pas 2 japonais au Super Dream Fest. Tu vois, c'est bizarre un peu. Bon, après, bon, en vrai, je m'en fous, tu vois. C'est un détail, vu que y a plus grand monde. Je sais qu'il y en a toujours des fervents défenseurs des teams communautés, tu vois, genre l'européen, japonais et tout. Mais on va pas se mentir, les 3/4, ça joue soit club, soit couleur, tu vois. Donc, en vrai, bon, qui est pas de Jap, quoi, tant pis, tu vois. Mais ouais, c'est un anniversaire japonais, c'est quand même bizarre qu'il y ait pas plus de persos japonais. C'est vrai que, normalement, on était l'anniversaire Jap, hein. C'est pas l'anniversaire Glow, c'est l'anniversaire japonais. On est censé avoir masse de persos japonais, bien craqués, un bon Matsuyama qui nous casse le jeu à chaque fois, un bon Shingo qui nous casse le jeu à chaque fois. On y est là tous. Shingo. Ouais, y a pas Shingo. Y a pas Akai, y a pas Genzo. Tu vois, moi ça m'aurait pas étonné, moi ça m'aurait pas choqué. Si t'as vu, ils laissent la même truc qu'ils ont fait sur les portails là, mais ils sortent 2 portails Jap, tu vois, par exemple 2 ou 3 portails Jap à la limite pour mettre plus de persos Jap. À la limite, allez 2, 3 serait abusé. Ça m'aurait pas choqué, tu vois, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de Jap, la vérité. Il y a eu 5 Jap du coup, il y a eu 3 dans le portail, le Tsubasa et le Ken du coup. Après cet anniversaire en soi. Du moment que j'avais entendu l'information comme quoi il allait durer un mois, moi personnellement, je ne me suis pas attendu à grand chose dans le sens où je sais que en hiver, on a la Coupe du Monde. Et pour ceux qui ont regardé le précédent épisode du Fight Club, hein, le dernier que j'ai fait avec Atsushi, on en avait déjà parlé et on avait théorisé comme quoi que cet hiver, normalement, on devrait s'attendre à un gros anniversaire. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait le lien. Je me suis dit, peut-être, ils ont peut-être inversé. Parce que normalement, c'est toujours en hiver où on a un seul mois. Comme on a eu le mois dernier. L'année dernière. Ouais, voilà, il y a 6 mois, tu m'as compris. On a eu un anniversaire que sur un seul mois. Comme tous les anniversaires Glow qui étaient que sur un seul mois en fin d'année. Et là, on a une Coupe du Monde qui arrive en novembre, c'est ça? Novembre, décembre, ça nous fait 2 mois. Et les 2 mois d'anniversaire qui sont habituels, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu cette rotation. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'on peut arriver sur un anniversaire global, plus imposant, avec plus de personnages sur 2 mois? Moi, je pense que l'anniversaire global, il commencera en le 1er novembre et se terminera le 31 décembre. Ouais. Je pense. Quoi, c'est une logique après. Hein. Parce que ils vont pas...
laisser passer le début de la Coupe. Même si c'est en fin de mois, la Coupe du Monde, tu vois, tu peux commencer à sortir des portails et tout, début de célébration, pré-célébration, tu vois. Ils peuvent dire c'est une pré-célébration d'un mois. Et t'as vu, parce que la Coupe du Monde, ça commence quoi, je crois, c'est le 27 novembre ? Non, je sais pas, c'est fin novembre. Alors, je vais dire... 15 novembre, non ? Je vais dire ça... Pas tout de suite, en fait, je sais pas du tout, frérot. je crois que c'est mi-novembre. Ouais, c'est sûrement, mi-novembre. Attends, Coupe du Monde 2022. Là, même moi, j'étais en train de taper ça, là, carrément, pour faire la recherche. Ah, ça me... Coupe du Monde 2022... Du coup, c'est du 21. C'est le 21. Ouais, le 21 au 18. Le 21 au 18. Voilà, donc... Ils vont pas commencer la... Pour moi, ça commencera dès le début. Il y aura un pré-truc parce qu'ils vont pas laisser passer le premier. Ouais, frère, ils vont pas passer à côté, du mois de novembre. Ouais. Frère, ils vont pas passer à côté du mois de novembre. Ouais. Il y aura des trucs. Il y aura un pré-événement. Peut-être qu'il y aura une collab et ça sera du club au début. Et après, tu vas basculer cash sur la Coupe du Monde après le Dreamco, tu vois. Mais je pense que oui, ça sera sur deux mois. Et t'imagines, vu que la Coupe du Monde finit le 18 décembre, le 18, on n'est pas encore à la fin du mois de décembre. Pour la fin d'année, nous sortent vraiment un portail, des persos peut-être SDF, avec les gagnants. Genre, si c'est la France qui gagne, on a un nouveau Pierre, tu vois, avec le maillot officiel de la France. Là, c'est vraiment de la théorie pour rêver. Hein, là. Ouais. moi, je pense pas, parce que tu sais pourquoi ? Parce que je pense que... Tu vois, on est le 30 juin. Ok. Ils savent déjà, pour moi, ce sera qui le Super Dream Fest de dans 6 mois. Moi, je pense qu'ils ont déjà un planning tout tracé, tu vois. Alors, j'ai entendu dire, hein, normalement, que eux, ils ont. Enfin, que Club a un planning pour 4 mois. Tous les 4 mois. Ouais, tous les 4 mois. Ok. Ok. Donc, après, c'est vrai que ça m'étonnerait qu'ils aient pas déjà prévu leur anniversaire Glow. Hein. Là, par contre, ça m'étonnerait qu'il ait pas déjà prévu. Moi, je dis, si d'ici l'anniversaire Glow. Ouais, on l'aura entendu ici en premier. on l'aura entendu en exclu. Voilà, si d'ici l'anniversaire Glow, t'as ni KHS Bayern, ni Waka Bayern en Dreamfest, ce sera ça ton Super Dreamfest. Déjà, une partie de ton Super Dreamfest, il sera là. Et si Misaki n'est pas arrivé entre temps, on peut le mettre dans la liste ou pas? Bah oui, parce qu'on va avoir 4 persos, frère. Mais je pense que... Ouais. Moi, je pense qu'il y en a un des 3 qui arrive. Moi, je pense que le Waka... Peut-être pas, parce qu'il y a déjà un gros gardien, il y a un gardien japonais qui vient de sortir là. Ouais. Donc Waka, peut-être pas. Mais je pense que Messiah Schneider, ça va arriver avant, je pense. Moi, Waka, je pense qu'il ne faut pas l'attendre tout de suite non plus. Hein. Non, c'est pour ça. Il ne faut pas qu'on l'attende tout de suite. Quand ça sera l'anniversaire Glow, ça fera quasiment un an qu'il est là, vu qu'il est sorti le 14 janvier. Je me rappelle, c'était le jour de mon anniversaire. Ah. Mais joyeux anniversaire en retard, hein, écoute. Eh ben merci. Non, mais tu vois, du coup, c'était le 14 janvier, donc ça fera quasiment un an. Un an, ça fera, 11 mois. Du coup, c'est pas déconnant de revoir un Genzo pop à ce moment-là, quoi. Ouais. Je pense que ça sera pas déconnant. Quoi, ça fera 11 mois, même pas un peu, mais ça sera 11 mois et demi. Du coup, ça sera pas déconnant, du coup, pour le coup, de voir un Genzo repop à ce moment-là, je pense, tu vois. Mais bon, ça, c'est des théories, mais ça serait stylé hein, qu'il fasse comme t'as dit, des trucs comme ça. Hein, genre, la France, elle gagne, on sort un Pierre. Ouais, ça serait pas mal. Après, le problème, c'est que, imagine, je te dis une bêtise, pour le mois de novembre, il y a un Pierre qui sort. Tu fais quoi ? Tu ressors un deuxième Pierre dans la foulée ? Compliqué. Tu vois, ils peuvent pas faire ça. C'est dur. Bah ouais, ils vont peut-être prévoir des portails, on va dire, on va arriver encore hein, de tous les pays, voilà, de tous les pays du jeu. Parce qu'en vrai, en 2 mois, tu peux sortir beaucoup de trucs. S'il y a un step qui est déjà sorti, c'est compliqué de remettre derrière le même perso. En SDF. À moins que Club soit devin et qu'il devine qui va gagner la Coupe du Monde. Ouais, à moins que c'est acheté. Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Non mais ouais. Non mais après là bon on a dérivé un peu, mais ouais, pour revenir ouais sur l'anniversaire, en vrai voilà, c'est certes moi non plus je m'attendais pas grand chose, mais quand même manque de contenu, je peux comprendre que certaines personnes soient hyper déçues par le contenu. Je vais peut-être étonner beaucoup de gens, mais moi j'ai bien aimé cet anniversaire. J'ai bien aimé dans le sens où en fait, j'ai remarqué qu'ils nous ont écoutés sur pas mal de trucs hein. Je me rappelle qu'à l'époque ça criait beaucoup quand il y avait les power creep. Le power creep, on l'a eu petit à petit, juste avant l'anniversaire, avec des jazz, des Schmitt, ou même des leader skills qui ont pop. A25. Voilà, les leader skills A25 qui ont pop Victorino avant l'anniversaire. Victorino qui est, pour moi, c'est un personnage qui est niveau anniversaire. On en a beaucoup
eu comme ça des personnages Goza, des personnages qui ont le niveau anniversaire, qui sont sortis avant l'anniversaire. Donc ça fait que Natureza, ça fait qu'on a pu rentrer dans cet anniversaire sans vraiment ressentir un power creep de ouf quoi. Il a été là, mais il s'est imposé tranquillement quoi. En vrai, il a été là, mais quand tu prends les stats, par exemple les stats de Levin ou quoi, tu vois, genre Diaz, il est pas du tout ridicule à côté, hein, c'est du même calibre pour moi. Donc il y a eu un mini power creep. Pour moi, il y a pas eu de power creep en vrai. En fait, on continue sur la lignée qu'on était juste avant la NIF pour moi, les Ino, Diaz et compagnie. Ouais. Et ça va se poursuivre. Et c'est très bien pour moi, vraiment, parce que je suis désolé quand c'est dégueulasse pour moi. T'as vu, il y a des gens, ils sont investis dans le jeu, tu vois, ils ont leur compte depuis des années, ils jouent au jeu. Les pauvres, ils sortent d'un anniversaire où ils se sont fait shaft, tu vois. Ouais. Et frère, et l'autre à côté, il a droppé, ça y est, ton compte, tu peux plus jouer. Mention spéciale aussi à Clab, dans le sens où ils nous ont mis un calendrier des portails. C'est ce que je t'ai dit au début, ouais, moi, le planning, Le planning, franchement, c'est top, hein. Moi, je trouve qu'ils ont bien géré ça, justement. Ils ont bien géré ça, et c'est surtout, et au-delà du planning, parce que le planning, c'est le feu de ouf. C'est la première fois qu'on a un planning complet comme ça? Oui, je crois que d'habitude on avait tout sur 15 jours et après re 15 jours. Tu vois. Okay. On a déjà eu des plannings. Et encore, en plus du planning, les portails durent quand même. Avant ils partaient. Maintenant ils durent tout le mois. Et ils ont duré tout le mois. Ils nous duraient quoi, 3-4 jours? 5? Avant c'était. Je sais pas, ouais, peut-être une semaine, en tout cas, 10 jours. Ouais, c'est ça. Pas tout, en tout cas pas tout la NIF, tu vois. Ouais. Genre, il y a de souvenir, il n'y avait pas beaucoup de portails qui restaient une fois qu'il y avait le Super Dream Fest, tu vois. Ouais. Genre, généralement. Ouais, c'est vrai, je me rappelle, avant, on arrivait au SDF, il n'y avait plus de portails presque. Ça arrivait quand il y a. Là, on dirait limite, Clab, ils te disent, les refs, si vous êtes fait casser à l'anniversaire, rollez maintenant, hein, il vous reste 100 jours. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a, ils adorent reroll et tout, normal, tu vois. SO moi-même. Oh non, mais moi aussi j'adore invoquer, reroll ça me dérange pas, j'adore faire du team building, monter des teams et tout, plus limite que le PVP et tout. Mm-hmm. Parce que de toute façon, je pense qu'après on parlera un peu de PVP aussi, parce que avec tous les bugs qu'il y a et tout, moi ça me fait plus criser des fois que m'amuser, tu vois. Donc moi j'adore faire les news, tu vois, les analyses comme je fais et tout, ça me kiffe. Ouais, ouais. Et j'adore redécouvrir un peu les trucs, les persos, les passifs, les trucs, ça j'adore, tu vois. Et j'aime bien faire team building, donc ils aiment bien reroll et tout, et voilà, comme je te dis, on dirait, là ils leur ont dit, voilà, les refs, si vous voulez maintenant vous mettre bien, mettez-vous bien maintenant, vous avez une journée. On vous laisse un dernier délai. Voilà. Allez-y les potos. Il y a eu la fameuse journée avec l'alignement de tous les portails, avec le portail allemand, donc a fini par partir entre temps. Mais il y a eu... C'était le jour où il partait. L'alignement. Le lendemain, comme ça, ouais. Bah du coup, t'as lancé le sujet, hein. Tu voulais dire quelque chose? Excuse-moi, je t'ai coupé. J'allais dire ça, par contre, tu vois, c'est au niveau des portails et tout, pour moi, je trouve super gestion, carré. On peut pas... Celui qui se plaint, frère, c'est un farceur. Ouais, voilà, c'est qui... Mais par contre... Il veut pas doser. Mais par contre, c'est des salauds de pas avoir laissé le portail allemand, sachant que t'as ton Levin qui a un truc à KHS. De fou. Pour moi, ça peut que annoncer un KHS qui arrive très très vite, tu vois. Je les vois pas. Comment tu sors un perso avec une SPA 2, l'autre il part vite. Moi je pense qu'il y a un KHS qui va pas tarder. Peut-être dans la logique, pour moi, le Schneider sera Dreamco. Hein. Dreamfest. Ouais. Dreamco. Dreamfest, ouais, pour moi je vois plus Dreamco. Parce que on a eu du Genzo Dreamco, du Müller Dreamco, du Tsubasa Dreamco. Tu sais, c'est des personnages qui n'étaient pas arrivés en Dreamco avant. Ouais, c'est vrai. Et Schneider, on l'a pas eu en Dreamco. Donc peut-être, pourquoi pas, on verra. On a eu du Misaki Dreamco l'année dernière, quoi, il y a 6 mois. Ouais. C'était pas le premier Dreamco. Il en avait eu d'autres, mais bon. Il faisait avec le tacle. C'est ça. Il était pas ouf à l'époque. Non, c'est dégueulasse. Mais ouais, non, Schneider, c'est vrai qu'on l'a jamais en Dreamco. Après, Schneider Dreamco, je signe. Moi, je prends, pas de problème. Du coup, ouais, je voulais introduire un nouveau sujet. Les rerolls. Aujourd'hui, t'en penses quoi? Rien à péter. Ah ouais? Bon, rien à faire. Chacun fait ce qu'il veut. Que le fun. Que frère, je le dis toujours sur mes vidéos, sur aujourd'hui quand j'étais en live et tout, on est là pour le smile, c'est un jeu. Un jeu, ça veut dire amuse-toi. Frère, de toute façon, aujourd'hui, qui va râler sur les rerolls? Tu vois, sur les comptes reroll, tu me parles compte chinois ou reroll? Ouais, vraiment, les comptes chinois, tu vois. Comptes chinois, ouais. Voilà, qui va râler sur les comptes chinois? Ouvre ton PVP aujourd'hui et dis-moi en haut du classement combien y a de comptes chinois. Tout le monde qui les utilise, je vais t'expliquer. Tu m'as dit en haut du classement, mais pour pas dire tout le classement, je pense, hein. Ouais, non, mais moi, quand j'ai déjà ouvert, tu vois, chinois, chinois, je m'en fous, tu vois, ça y est, rien à péter, frère.
ce qu'il y a, c'est que moi, il y a longtemps de ça, il y a très longtemps, il y a 8 mois de ça, parce que les comptes chinois, ça a toujours existé. J'avais pris un compte chinois. J'avais fait une vidéo. Au début, c'était hyper tabou, les comptes chinois. Là, ouais, il n'y a plus sur ma chaîne, parce qu'à l'époque, j'avais pas de matos, t'as vu. Dis-toi qu'à l'époque, quand j'ai eu... Bah, je crois qu'ils sont arrivés vers Michael, non? C'était exactement Michael. Mais dis-toi qu'à cette époque-là, moi, j'avais encore, j'étais encore free-to-play, j'avais encore mes comptes français. Ouais, Gunzy avait des comptes français. Et il n'y a pas longtemps, j'ai retrouvé un compte où, tu sais, dans la bio, tu sais, le message que tu mets de ton compte, j'avais écrit « Nick les rerolls ». C'est pour te dire, parce que je me rappelle que j'étais arrivé à un point où ben, le PVP, je pouvais, ouais, je pouvais plus. Je pouvais plus. Pourquoi, plus. Passer, pourquoi beaucoup on est passé sur des comptes chinois? Moi, comme je te dis, le PVP, je m'en fous un peu, tu vois. Mais pourquoi? Parce qu'au début, j'ai tenté le PVP, frère, et au bout d'un moment, oh, ça y est, frère, tu peux plus, parce que t'arrives, l'autre, il a tous les persos de la NIF, tous les trucs. Ah ben, tu sais quoi, tu te dis, bah, moi, je vais faire pareil, alors comment? Moi, je vais rester derrière. Après, il y en a, ils s'en sortent. Après, il y en a, ils mettent la CB, tu vois. Moi, frère, je te dis la vérité, au jour d'aujourd'hui, quand tu vois les taux de drop chez Clab, quand tu vois le prix des Dream Ball, mais qui a envie de mettre des sous dans le jeu? Après, il y en a, ils font. Moi, tant mieux, c'est qu'ils font vivre le jeu. Moi, pour raconter ma petite expérience, ouais, c'est vrai, ça c'est important de le notifier, ils font vivre le jeu. Mais pour raconter un peu ma petite expérience, voilà, moi je suis pas riche, hein. Je suis pas riche, les gars. Mais je me rappelle qu'il y a une époque, précisément, quand le, tu sais, quand le Yuga Dreamco il est sorti, ouais, Dreamco vert, j'avais mis deux packs à 90. Il avait mis deux packs énorme, à 90. 180 euros, frère. Il me le fallait, tu vois. C'était un perso, là, vraiment, il me le fallait. Je me suis dit, bon, ok. Je le voulais absolument. Et voilà. Et d'habitude, je mettais des sous dans le jeu, mais pas autant. Mais cette fois, je le voulais vraiment. Je me suis fait shaft. Ok. Ah. Mais ça m'a fait mal, c'est vrai. Mais voilà, en vrai, j'ai pu me remettre en tête l'esprit que, voilà, c'est un shaft, c'est le jeu, c'est comme ça. Même si ça fait mal, quand même, pour de l'argent. Mais sauf que si tu te rappelles bien, à cette époque-là, le Yuga Dreamco, il y avait une polémique et ils ont dû remettre son portail. Je sais pas si tu t'en rappelles. Il n'y a pas eu un problème avec un achat ou c'est le. C'est ça. Et ils ont remboursé les joueurs qui avaient invoqué quand le perso était. Remboursé. Oui, ils avaient redonné. Donc, c'est une seule fois où ils ont fait voilà. Ça. Voilà. Donc je me suis fait rembourser. J'ai re-eu mes Dreamco, j'ai réinvoqué, j'ai rien eu encore. Ouais. Depuis ce jour-là, je me suis dit, je ne mettrai plus un euro dans le jeu. Moi, j'ai compris bien plus vite que toi. Ah ouais? Moi, je... Ouais. Ah oui, juste pour revenir vite fait sur les comptes chinois, quand on dit. Je te disais, moi, à l'époque, du coup, j'en avais pris un. À l'époque, il n'y avait personne qui... C'était hyper tabou, on va dire. On emploie des grands mots, mais c'était hyper tabou. Je voulais aussi passer un petit big up au frérot Nemesis. C'est lui qui m'a montré... Enfin, qui m'a montré. C'est avec lui que j'ai vu pour la première fois les comptes rerolls. Je me rappelle qu'à l'époque, il créait beaucoup de contenu sur YouTube. Il faisait pas mal de lives. Et je regardais beaucoup ses lives reroll où il invoquait les tickets et tout. Et ouais, c'était incroyable. Et voilà, c'est là où j'ai découvert pour la première fois les comptes reroll. Sinon, avant, je savais même pas que ça existait. Avant, c'était des Espagnols qui faisaient beaucoup ça. Ok. Il y avait un Espagnol qui faisait beaucoup ça, des reroll et tout. Et du coup, moi, j'avais trouvé le site et tout. C'est. Franchement, je dis pas le site, tout le monde le connaît, mais vas-y, c'est bon. Et j'ai déjà. Voilà. Et j'avais pris un compte et j'avais fait une vidéo. La vidéo, comme je disais, elle est plus sur ma chaîne parce que moi, à l'époque, j'avais pas de matos, pas de micro, tout. C'était... Je l'ai réécouté la vidéo, frère, ça a vomir. j'ai pas supprimé, t'as vu, mais je l'ai mis en cachet sur ma chaîne parce que pas pour la honte. Et en fait, moi, comme je savais que c'était tabou et que je. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je savais plein de trucs sur des gens de la communauté. Ok. Et je savais qu'il y en avait, ils étaient là, ils crachaient sur les comptes chinois, ils traquaient les gens qui en avaient, limite, comme des sorcières, tu vois, la chasse aux sorcières. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, vraiment, c'était tabou, hein. Et eux-mêmes, ils utilisaient des comptes chinois. Ces gens-là qui faisaient ça. L'hypocrisie des gens. Ah. Du coup, moi, j'avais fait une vidéo avec des frérots, tu vois. Tagotfire, je pense que tu connais, il avait fait les trades au début du jeu. Ouais, Tagotfire, vraiment, lui, c'était au début du jeu, hein, par contre. Hein, vraiment, voilà. Au début. Oui, c'est au début chinois. On jouait à la Jap. Lui, c'est mon frère, tu vois. On s'appelle encore tout le temps aujourd'hui. Cham et Kay, tu vois. Non, je sais plus si il y avait Cham sur. Kay aussi qui faisait des vidéos à l'époque, non? Ouais, il a arrêté, non, c'est pas pareil, ça c'est mes frères, ça c'est des gens, on est tous les jours au téléphone ensemble, tu vois. Genre avant même qu'on commence le live, on était ensemble, tu vois. Et du coup, bon, bref, j'avais fait avec Cham et Tag, on avait fait une vidéo, et j'avais dit, venez, on fait une vidéo, j'invoque sur un compte chinois, mais par contre, je voulais mettre de la provoque, tu vois, et j'avais fait une miniature, j'avais mis carrément le drapeau chinois, ouais. Ok. Et on invoquait là-dessus, et il y en avait plein, ils voulaient me descendre, tu vois. Et il y en a, ils me défendaient, mais il y en a, ça voulait descendre, tu vois. Et aujourd'hui,
aujourd'hui, maintenant, je les vois, ils utilisent les comptes chinois, tu vois. Donc, pourquoi avoir fait tout ça avant? Aujourd'hui, les mentalités ont changé. Hein. Le football, il a changé. Voilà, le football, il a changé. Mais je me demande, qu'est-ce qui a poussé les mentalités à changer autant, de passer à vraiment un extrême où on les rejetait, ces comptes-là, à aujourd'hui où, bah, en vrai, c'est accepté. Et pourquoi c'est... Parce que les trois quarts, ils sont mangés des chaffes de l'espace, je pense. Du coup, ils ont dit non, c'est bon, marre. Et comme il y en a, ils ont dû jouer en PVP, ils ont dû se faire éclater par des comptes chinois. Ils ont dit, ben moi aussi, je vais y passer, comme je t'ai dit tout à l'heure. Et il y a dû avoir plein de trucs comme ça, tu vois. Et c'est surtout qu'aujourd'hui, t'en vois tellement, tu veux dire quoi? Quand il y en avait 2-3, tu peux aller les traquer pour leur casser les couilles. Mais quand il y en a 10 000, tu veux faire quoi? Ouais. Tu vas tomber sur un, il y en a 15 qui vont arriver qui vont dire, ferme ta bouche, c'est comptes chinois. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est très vrai ce que tu dis. Ici, hein. Si on aurait que de. Enfin, quand il y en avait justement 2-3 à l'époque, ok, mais. Maintenant, tu peux pas, frère, tu peux plus faire ça. Parce que maintenant, il y a tout le monde qui a un compte chinois. Frère, maintenant, ça se vend sur Twitter. C'est plus accessible. Bah, non, mais je veux dire, après, moi, c'est même pas une critique parce que je le dis, moi, je l'utilise, rien à péter. Moi, à chaque fois que j'ai fait une vidéo, j'ai toujours dit compte chinois. Maintenant, s'il y en a un que ça dérange, il prend et il dégage de la. Et quoi, il quitte pas, il dégage, tu vois. Mais il prend et il enlève la vidéo, il se désabonne de ma chaîne, je m'en fous, tu vois. Au moins, vous le savez, arrêtez de casser la tête avec ça. Tu vois, j'ai toujours dit. Maintenant, il y a tout le monde qui s'en bat les reins, il y a tout le monde qui utilise tout, il y a des giveaways, t'as des milliards par. C'est ça. Non, mais c'est vrai, frérot, tu vois. Parce que il y a tout le monde qui. Comme tu dis, j'en ai vu, ils les vendent sur Twitter, tu vois. Et ça dérange personne, et ça fait de la pub, ça dit oh, génial, il donne rapidement le compte, nanana. Tu vois ce que je veux dire? C'est normal. Tu vas sur eBay, tu tapes Captain Tsubasa Dream Team, il y a des comptes en vente, et tu vois les commentaires, c'est oh, génial, il donne trop vite le compte. C'est des Français, des tout, de tous les pays, frère, qui achètent. Ça y est, frère. Et si vraiment Club, ils en avaient quelque chose à faire, tu penses pas qu'ils auraient fait un truc comme ça? Tu sais qu'à un moment, bon, je sais pas si c'est moi, je suis vraiment. Je vais un peu trop loin, mais à un moment, j'ai pensé, je me suis dit, est-ce que c'est pas Club qui gère tout ce réseau-là de. Tu sais, de continuer. Est-ce que c'est pas eux qui les distribuent? Ou après, je sais pas en vrai d'où ça sort, tu vois, genre comment c'est fait à l'origine. Mais voilà, je me suis dit, est-ce que Club peut-être ne contrôle pas une partie de tout ce marché? Je sais pas, mais en tout cas, ils en bénéficient, tu vois, et c'est pour ça qu'ils font rien, qu'ils s'en foutent. Regarde, je t'expliquais. T'as vu quand ils font la Tsubasa Cup, là, le truc où tu peux partir aux États-Unis et tout, il y a le tournoi, là, qu'ils font, là. Je sais plus comment ça s'appelle, leur tournoi qu'ils font, là, où tu te qualifies et par pays, et après tu pars. Ah, le Dream Championship, là, je sais pas. Dream Championship, voilà. Pendant le Dream Championship, je crois que c'était des Français, il y avait des Français, je sais plus, ou des Américains, je sais pas, bref. Il y en avait un, pendant le Dream Championship, il avait un compte chinois. Ok. Streamé par Club, commenté par Club, ok, par les il y avait tous les gens qui ont créé le jeu et tout qui sont là, compte chinois, frère. Qu'est-ce qu'ils en ont à péter? Parce que si, à la limite, si vraiment ils veulent pas de ça, ils te disent compte chinois, vous participez pas. Tu gagnes ta place, mais t'es pas qualifié, frère. Tu prends le drapeau de ton pays, mais qu'est-ce qu'ils en ont à faire? C'est quoi? Limite, imagine. Je pense qu'ils savent que s'ils interdisent les comptes chinois, ils vont perdre beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs. Mais frère, je vais te regarder un exemple à la con. Moi, je suis un petit cash player dans le jeu. Très petit cash player. Okay. C'est-à-dire que moi, je. Est-ce que t'es comme moi où tu prends la 50 centimes juste pour avoir les maillots? Ouais, exact. Non, c'est ça. Je suis un Yankee des maillots. Mais regarde, moi, je prends la 50 centimes, je prends la 99 centimes, et des fois, il y en a une qui traîne à 1,99, je la prends. Ça veut dire qu'en gros, dans le mois, je mets pas plus de 10 euros dans le jeu. Ça veut dire que je mets 5 euros, 6 euros, 7 euros. Voilà, ça tourne comme ça, tu vois. Frère, mais tu crois que si demain je reroll j'ai un nouveau compte, je vais pas les remettre ces sous? Ouais. Les gens ont rien à péter, c'est ouais, quoi, ouais, rien ouais. À péter. De l'argent, c'est de l'argent, faut pas cracher dessus, tu vois. C'est pas là où je veux en venir. Ce que je veux dire, c'est que j'ai les moyens de mettre 5 euros, 6 euros, ça va, Dieu merci, tu vois, je peux le faire, tu vois. Tu crois parce que j'ai changé de compte, je vais pas le refaire? Je le referai, frère. Et à chaque fois, t'imagines, t'as 10 comptes, sur 10 comptes, t'as mis 5 euros. Bah, au final, ouais, au lieu de rester free to play, bah, tu seras devenu un cash player en soi. Voilà, mais surtout, t'auras cash sur plein de comptes. Et eux, imagine, et je te parle de moi à mon échelle. Imagine les milliards de comptes chinois qui sont dans la nature comme ça, où il y a des gens, ils ont mis des sous, où il y a des gens, ils ont invoqué leurs 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 dB, ils ont droppé, ils ont fait une team de port, et là ils ont dit, ah frère, c'est bon, je garde ce compte. Et ils ont mis des sous, ils ont fait shaft, ils ont dit, ah non, ça y est frère, non, ma team elle est plus bonne, ils ont racheté un compte, et ils ont fait pareil. Et rebelote. Et moi je te parle de 5 euros, et il y en a, je te parle, ça coûte 100, 200, 300 euros. Ils sont gagnants, Club, frère, c'est tout. S'ils n'étaient pas gagnants, je te jure que ces comptes-là, je te promets qu'on ne les verrait pas. À l'époque, regarde, Dokkan Battle, ils ont fait quoi à l'époque? À l'époque, quand tu. Il y a eu des comptes chinois, on va dire, version Dokkan. Ça existe? Il y a des comptes.
Mais sur tous les jeux, il y en a. Ouais, je sais qu'il y en a sur Nanatsu, sur Grand Cross. Non, sur sur tous les jeux. En fait, pourquoi on dit chinois là? Parce qu'en fait, il y a le drapeau. Mais si demain Klavi décide d'enlever le drapeau. Ouais. C'est fini, c'est un compte. Ouais, en vrai, c'est juste un compte. Hein. C'est juste un compte. C'est parce que juste dans les autres jeux, t'as pas la localisation avec français, anglais, okay, américain, mais couilles. Tu vois? Mais sur tous les jeux, il y en a. Écoute, s'il faut. Je sais pas si ça existe, s'il y a des points, par exemple, mais s'il faut. Candy Crush, il y en a, tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est genre, je veux dire, vraiment pour te dire, il peut en avoir surtout. C'est juste un mec qui a acheté un bot et qui se connecte à ta place pour récupérer les Dream Balls. Il a pas modifié le compte, tu vois. Ouais. Il y a eu rien de triché, il y a rien de modifié. C'est toi, demain, tu peux te faire un compte français avec, et avoir 10 000 DB. Tu connectes ton compte tous les jours, tu récupères les Dream Balls et tu le sors dans 5 ans. Et pourtant, dis-toi que si on fait ça avec un compte français, il aura plus de valeur. Il sera plus. C'est incroyable. De ce qu'ils vendent aujourd'hui. Hein. C'est incroyable. Mais tu vois, c'est un détail, alors qu'on en a rien à péter au final. Au final, tu vois, c'est juste ce drapeau de merde qui fait chier. Si t'enlèves ce drapeau, je te le jure, il n'y aurait jamais eu de problème. Voilà, en vrai, compte chinois, pas compte chinois, ce serait un compte normal, c'est tout, frère. En vrai, hein, avec ça. Pour finir tu sur... Tu prendre un compte chinois et te faire shaft, hein. Pour finir sur les comptes chinois, en vrai, profitez de votre jeu, les gars, faites-vous plaisir. C'est un jeu mobile, voilà. C'est pas un jeu sur... Même... En fait, ça reste un jeu, même si c'est un jeu console, ça reste un jeu. Donc, voilà. Prenez un maximum de plaisir, les gars. Juste, je vais conclure avec un truc là-dessus. Regarde, parce que on crache sur les comptes chinois. On dit, ouais, continue. Quoi, avant, plus maintenant. C'est vrai que maintenant, c'est fini. En vrai, il n'y a plus personne qui parle de ça. Quoi, j'en vois plus. Je sais pas si toi t'en vois. Moi, j'en vois plus non, du tout. Non, au contraire, hein, j'en vois plus qui dit j'ai un compte chinois que ça. Hein, tu vois, quoi de chose. Mais regarde, est-ce que du coup, c'est pire d'avoir un compte chinois 9950. Ou d'avoir acheté des Dream Ball chez Club, d'invoquer et de se faire refund? Comment, j'ai pas compris? Ceux qui achètent des Dream Balls, ouais, ils invoquent et qui font des refunds et qui sont remboursés derrière. Ouais, j'avoue alors, que ça tue le business un peu. Hein. Ça tue le business et c'est du vol et c'est de l'arnaque, tu vois. Alors que là, t'as juste pris des Dream Balls que Club a donné au final. Ouais. En fait, limite, ce qui est, on te dit, dans les règles du jeu, t'as pas le droit de vendre des comptes. Mais on t'a jamais dit que t'as pas le droit de les acheter, je crois. Ouais, c'est vrai, c'est dans les règles du jeu, c'est quoi? C'est par rapport aux échanges de comptes, c'est ça? C'est à la vente. À la vente, ok. Normalement, je crois que t'as pas le droit de vendre, mais bon, frère. Mais oui, quand je te disais oui, parce que j'ai coupé ma phrase, j'ai arrêté. Clap, s'ils veulent les arrêter, les arrêtent. Comme je te disais, Dokkan, du coup, avant, qu'est-ce qu'ils te disaient? Quand t'as vu, il y avait plein de giveaways sur Dokkan. Dokkan, c'était la hype, il y avait plein de giveaways, ça donnait des comptes, ça s'échangeait des comptes, ça vendait des comptes, mais que entre particuliers, tu vois. Okay. Genre pas des comptes avec des DB, tu vois. Genre moi, j'avais un gros compte, tiens, je te le vends, je te le donne, je te fais ça. Tu vois, ben, ils ont fait quoi? Quand tu migrais, par exemple, je suis une bêtise, toi t'es à Paris, moi je suis à Marseille. Eh ben, quand la localisation elle est trop... Voilà, trop rapide, eh ben, ils te bloquaient ton compte, c'était fini, tu te faisais ban. Waouh. Genre, si Club ils veulent faire ça, tu crois qu'ils font pas tous les comptes qu'on achète, frère, ils sont soit en Chine, soit aux États-Unis, soit je sais pas où. S'ils veulent, ils te le bloquent le compte s'ils veulent faire ça aussi. Tu vois, c'est parce qu'ils en ont rien à péter, ça leur apporte des thunes. Les comptes chinois, hein. Ah oui, mais non, mais c'est rien, c'est un compte, frère, c'est tout. Si tu sais pas jouer au jeu, tu sais pas jouer au jeu. Hein. Si tu sais pas faire un achat, tu seras pas faire un achat. C'est pas parce que t'as les persos que ça y est. Hein. Si tu t'es nul en PVP, t'es nul en PVP. Hein. Ça va rien changer. C'est hein. ça. Tu peux avoir, même sur FUT, hein, tu peux avoir toutes les légendes. Si tu sais pas jouer, tu sais pas jouer, tout simplement. T'es nul, hein, tu vois. J'ai un pote qui savait pas jouer à FIFA. Il a pris le Bayern, j'ai pris Marseille, j'ai mis 5-0, tu vois. Non, mais... C'est ça. Moi, je veux dire, on s'en bat les reins, tu vois. C'est bidon, tu vois. Frère, c'est un truc, surtout que s'il faut, demain le jeu est ferme et on s'est pris la tête tous ensemble. Du coup, sur un jeu qu'on aime, sur une licence qu'on aime, pour un compte chinois, pas chinois, et demain le jeu est ferme, frère, c'est fini, ton compte il a disparu. Hein. Bien sûr, on espère que Tsubasa Dream Team ne va pas fermer. Non, je pense pas qu'il va fermer de suite, bah, t'inquiète pas, il rapporte de l'oseille le jeu. Il y a Next Dream et tout, je suis pas sûr qu'il va fermer de suite. Le PVP, mais bon, ça. Le PVP, je voulais qu'on en vienne là. Ouais, c'est comment PVP, aujourd'hui? Comment il est le PVP, t'en penses quoi? Bah regarde, je vais te dire juste un truc. Le dernier PVP que j'ai fait, j'avais le Waka Dreamco au cage. J'ai pris un tir. Ok, le Waka Bayern là. J'ai pris un tir par Kaltz Dreamfest. Kaltz? Le dernier Dreamfest. Kaltz, ouais. Dans son camp. Le défenseur? Ouais, un tir A là, le tir en lobé là, je sais pas quoi qu'il fait là, t'as vu? Bah il m'a marqué un but, ouais. Comment c'est possible? Ben voilà, ça s'appelle de la RNG de merde. Et c'est ça qui me fout les boules. Normalement, il y a un truc. T'as fait un arrêt blanc ou. J'ai fait un arrêt C. Mais en fait, même l'arrêt blanc, s'il tire de son camp, Kaltz. Ben ouais. Ben non. Ben. Ok. Frère, une, une,
Une fois, j'ai fait une frappe blanche à je sais plus qui, frère, j'avais plus de stam. J'ai dit, vas-y, frère, il y avait 0-0, fin de match. Ton gardien, il avait de la stam, hein. J'ai fait une frappe blanche, j'ai marqué, frère. C'est pas ridicule. T'as pas envie de casser ton téléphone, le mec, il te fait ça. L'autre, il a fait un arrière, hein. Je te le jure, j'étais choqué. J'ai dit, vas-y, maintenant, je la dégage, la balle. Je fais un tir blanc, j'ai marqué, frère. J'ai pas compris. J'ai dit, non, mais il y a un bug, là. Après, la RNG, en vrai, si on veut rester dans tout ce qui est football, dans le football aussi, parfois, il y a des trucs qui doivent passer qui ne passent pas. Mais là, pour le jeu, on arrive à un point où frère, c'est compliqué. J'ai l'impression carrément là, c'est même plus de la RNG, c'est le jeu, il veut ou il veut pas. Voilà, point barre. Tu vois. Je l'ai ressenti sur certains matchs. Hein. Parfois, je vois déjà quand le jeu ne veut pas que je gagne. Et là, je me prends plus la tête en fait. Et ça me permet de rager moins déjà. Le mec, par exemple, il fait l'interception, tu le dribbles, il te prend le ballon. Lui derrière il dribble, tu le tacles, il te passe. Tu sais, tu dis non mais attends, je suis tu vois, frérot. Parfois t'as des enchaînements d'RNG et ça te met à un but, ça mène à un but. Ouais, c'est ça. Mais normalement ils ont dit qu'il y avait un nouveau truc qui doit sortir. Ouais, ils avaient annoncé ça. Là au mois de juillet, de toute façon c'est ce mois-ci du coup. Ouais, c'est ça, mois de juillet. Ils ont pas donné de date, hein, juste. Ils ont pas donné de date, mais okay. C'est mois de juillet normalement. Il y a un bail où ils vont tester un truc sans RNG, je crois, ou avec la RNG diminuée au max. Et ça sera quoi, une option? Ça sera un plan momenté dans le jeu, ça sera activable ou non selon la volonté des joueurs. Je me demande comment ça à voir. Ouais. Peut-être qu'il y aura un deuxième. Après, ils peuvent très bien faire un deuxième icône PVP sans RNG. Tu sais, genre, tu rentres dans la. Ah non, franchement, je pense pas que ça soit la bonne solution s'ils font ça. Je préfère qu'ils règlent directement la RNG dans le PVP qu'on a. Mais frérot, s'ils font ça, ça veut dire, imagine, toi, tu mets pas d'RNG, moi, je veux mettre de la RNG. On fait comment? Ouais. Du coup, c'est obligé, ça va être pour moi une autre room. Hein. Pour moi, je vois pas d'autre truc. Ça va être une autre room sans RNG. Genre, il y aura toujours ton PVP avec le RNG. Peut-être qu'il y aura une autre icône. Et, et quand tu vas cliquer. Ou peut-être, quand tu vas créer. Comme la Cup, Zama, comme la Cup. C'est ça. Voilà. Ou peut-être quand tu vas créer un groupe, tu pourras désactiver la RNG ou pas. Et tu joueras que contre des gens qui ont la RNG désactivée. Mais en vrai, ça serait bien pour les tournois qui sont organisés par la communauté. Désactivation de la RNG. Ah, mais. Ça, je pense que dans les matchs amicaux, tu l'auras. Mais moi, je te parle vraiment pour... Le rank. Ouais, le ranked, ouais. Tu sais, quand tu vas jouer contre des gens comme ça, au hasard, aléatoire, tu vois, je pense que t'es obligé de faire deux trucs, parce que je vois pas comment. Sinon, parce que si toi, tu mets pas d'RNG, moi, je mets de la RNG, ça va être hyper bizarre, le match, tu vois. Ouais. Donc, on verra bien comment ça va se faire, tu vois. S'il faut, ça va être abandonné. S'il faut, ça va être nul. Je sais pas. Franchement, il y a. Sans RNG, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est à la plus grosse stat. Il y a pas mal de trucs à régler sur le jeu en vrai quand on y pense. Hein. En fait, il y a plein de trucs que tu peux. En fait, moi, je trouve que au niveau de l'idée du jeu, ils ont la meilleure idée de jeu pour un jeu football. Tu vois, genre, je vois pas ce que tu peux faire autre chose. Ils sont gavés là-dessus. Il y a même FIFA. Hein, dis-toi, il y a FIFA qui a repris le concept de Captain Tsubasa. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est Clab, hein. C'est Clab, hein, ouais. Aussi. Hein. C'est Clab et EA Sport, non? C'est Clab qui le fait. Déjà, j'ai hâte de jouer à ce jeu aussi d'ailleurs. Mais ouais, c'est Clab du coup qui fait ça. Mais je veux dire, au niveau du gameplay, je trouve que grave bien. Après, bon, tu peux toujours faire des améliorations sur les TS et tout. Mais allez, moi, côté gameplay, j'aime beaucoup. Il n'y a pas de problème. Mais après, tu peux faire beaucoup plus de choses, tu vois. Ouais. Donc, je suis d'accord que tu pourrais améliorer un peu le truc, tu vois. Ça serait beaucoup mieux que. Ouais, il y a des trucs que tu peux changer. Moi, j'aimerais bien qu'ils fassent un mode. Peut-être que je suis un fou, tu vois. Où on peut jouer à 2 contre 2. Vas-y, dis-nous tout. 2 contre 2. Ah, un FIFA. Mais je crois que ça, ils ont prévu ça, ballon, non? De le créer, ah ouais, ça. Bon, je sais pas, hein, je dis peut-être n'importe quoi. J'ai pas capté mais... la news. Ouais, 2 contre 2. Les news, c'est des articles que j'ai pas. Ça pourrait être pas mal, ça. Ah, 2 contre 2, ça peut être incroyable. Comme FIFA, tu vois, au final, moi j'ai mon joueur, toi t'as ton truc, tu peux faire un appel, tu peux faire un truc, je te la mets ou je te la mets pas, tu vois. Et ça peut être cool. Ça peut être hyper cool. Après, ce qui est bien, c'est que Clab, ils écoutent la communauté. Voilà. Clab, ils écoutent la communauté. Ben, on l'a vu, comme on le disait tout à l'heure, hein, avec les améliorations qui ont été portées à cet anniversaire, les changements, ben, ça provient surtout des réclamations qu'on a fait. La RNG, c'est une réclamation qui a été faite par la communauté. Ah oui, ils nous ont entendus. Maintenant, il y aura toujours des trucs à régler. Hein. Le jeu ne sera jamais parfait. Hein. Après, ils sont obligés d'écouter aussi la communauté. Un minimum. Ouais, parce que c'est nous. C'est nous, on fait vivre le jeu. S'ils écoutent pas la communauté, qu'on arrête tous de jouer demain au jeu, je vais fermer, y'a plus de salaire, bis de revoir, quoi. Y'a plus de salaire, ils vont basculer sur un autre jeu, leur jeu il dégage, tu vois. C'est ça.
Donc ils sont un peu obligés, tu vois. Le problème, c'est que nous, on aime beaucoup Tsubasa et tout, mais en vrai, c'est pas une licence comme DBZ, tu vois, où tu peux te permettre de dire rien à péter de ce que vous dites, bisous, au revoir, quoi. Eh ouais, frère, DBZ, ils font ce qu'ils veulent. Ah là là. Tu prends les autres jeux. Regarde, un jeu comme Dokkan Battle, si c'est pas DBZ, mais il est mort depuis longtemps, frère. Le jeu, quand il est sorti, il avait Dragon Ball, la licence, elle est infinie, hein, comparé à un Takahashi qui nous sort plus de. Enfin, il sort encore des trucs, mais ah, c'est compliqué, hein. Il veut pas publier en Europe. Ouais. Il veut pas sortir du Japon. Il a dit mon manga il sort pas du Japon. Ah c'est moi, carrément une volonté de lui de ah pas ouais, il veut pas que son manga il sort du Japon, frère. Eh ouais, sinon on peut pas acheter des tomes, nous, tu vois. On peut plus les acheter, c'est fini. C'est compliqué, ça. J'ai eu la chance de rencontrer le patron. Ok. Ah, t'as pu le... À Paris. Ok. Ouais, je fais bah ouais. C'était lors de quel événement? C'est bah, Captain Tsubasa, il est venu, c'était en librairie. C'était limité et du coup on a pu le voir, faire une photo, il nous a signé un autographe sur un gros poster de Tsubasa. Tu penses que Takahashi là, il interagit beaucoup avec Dream Team ou il est juste là de loin un peu, il regarde un peu ce qui se passe, de temps en temps il essaie de... Tu vois ah, apparemment, non, je pense que sur le jeu, il dit rien, frère. Après, lui, il n'est pas concepteur de jeu finalement, tu vois. Ouais. Mais après, je sais qu'il est très attaché à sa licence, hein. Ah oui, bah c'est son bébé au final, tu vois. T'imagines, toi, tu fais un truc comme ça depuis le temps que ça existe sous Bassa, tu vois. Frère, c'est obligé, c'est ton bébé, c'est son bébé, tu vois. C'est son plus gros truc, je pense, tu vois. Après, j'imagine qu'il a d'autres trucs, tu vois, mais c'est comme Toyorama avec DBZ, c'est son plus gros truc, même s'il a fait plein d'autres mangas, frère, tu vois. C'est ton bébé, ça, t'es obligé de le bichonner. Mais ce que je veux dire, c'est que je sais que tous les persos originaux qui n'existaient pas, bah, c'est lui qui les a créés. Quoi, de ce que j'avais cru comprendre, pardon, tout le design et tout, c'est lui qui l'a fait. Donc oui, il est. Je pense que du coup oui, il est investi dans Tsubasa, mais je pense pas au niveau gameplay tout ça. Je pense ça, il s'en cogne. Hein. Ouais. Peut-être Next Dream et tout, c'est lui qui écrit, tu vois. Je sais pas, tu vois, ou qui donne son accord ou non, tu vois. Quoi, j'imagine, tu vois, qu'il doit avoir un nez là-dedans. Vu que Next Dream pour l'instant on n'a pas de jeu, tu vois, c'est vraiment. Ouais, en c'est fait, des c'est comme si on a par-ci par-là. Ouais, bah, c'est comme si on a un manga au final à lire, tu vois. Quoi, y a un manga à lire. T'as capté, tu vois, il y a deux chapitres par-ci par-là, tu vois. C'est ça. Mais c'est comme si t'as un magazine, à la fin, t'as à chaque fois deux feuilles de Tsubasa et t'as une histoire, tu vois. Donc ça, c'est cool. Mais je pense que oui, il doit mettre son nez là-dedans, j'imagine, tu vois. Mais après, je pense pas niveau gameplay et tout, je pense qu'il s'en tamponne en vrai, frère. Lui, il y a la moula qui rentre parce qu'il y a la collab et puis basta. Ah, frère, c'est sûr, hein. Ah là là. Lui, il doit voir combien ça rapporte et go. Hein. Bah, du coup, avant de conclure, on va quand même parler un peu de toi, de ta chaîne et tout. Tsubasa, déjà, t'as commencé quand? Tsubasa, j'ai commencé avant que la globale elle sorte. J'ai commencé sur la version japonaise. Ok. Le jour de la sortie de la version japonaise. Ah, le jour de la sortie de la version japonaise direct. Le jour où elle est sortie, frère. Ça a mis un tweet. Ah, Tsubasa sorti, je l'ai téléchargé. Ok. Ah ouais. Chaud. Voilà. Moi, j'ai commencé Day One de la Glow. Day One de la Glow. Ouais, okay. Day One de la Glow. Je me rappelle, il y avait encore... Reroll pour le Waka. C'est ça. Dis-toi que moi, à l'époque, j'avais pas reroll pour Waka. j'avais essayé, mais tu sais, sur mobile, voilà, ça m'a saoulé au bout de 2-3 reroll. J'avais reroll sur mobile pendant une semaine. Ah, ouais, non, mais au bout de 2-3 reroll, ça m'a saoulé. C'est bon, je me suis dit, c'est bon, je veux jouer. Wesh, on est où, là? Tu vois, je voulais jouer. Bah, moi, j'avais déjà goûté à la Jap, tu vois, je connaissais. Ouais, je pense j'avais pas encore capté l'ampleur. C'est après que j'ai compris. Bon, après c'est toujours bête de faire ça parce que les personnes ont envie de dépasser. Mais du coup, ouais, j'ai commencé sur la Jap, en fait, tout simplement. Le premier live que j'avais vu, bah, tu vois, c'est hyper marrant parce que le premier live que j'avais vu, c'est un frérot maintenant, tu vois, on se connaissait pas à l'époque. C'est Fred AZV, c'est un peu le graphiste de ma chaîne, tu vois, c'est lui qui m'a fait tous mes logos. Ouais, c'est vrai que t'as les graphismes de ta chaîne, ben, j'aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup parce que carré. Moi, bon, je suis pas graphiste, mais non, voilà, j'essaie de toucher un peu à tout ce qui est Photoshop et tout. Mais ouais, j'aime beaucoup tes miniatures. Ben, moi, maintenant, ouais, je retouche, j'ai fait moi, mais parce que lui, il m'a tout donné des tips. Ok. Et en fait, lui, il m'a fait le logo, il m'a fait la bannière. Il m'a fait l'overlay, les overlays c'est lui qui m'a fait. Et au début, bah après il m'a fait des miniatures. Après il m'a donné un peu les tips, il m'a appris à Photoshop, tu vois. Et en fait maintenant il m'a fait des miniatures où il m'a envoyé un lien et juste je change ce que je mets dessus. Et les écritures, invocations, tout ça c'est lui qui l'a fait. C'est ça, mais je fais la même. J'ai un template de base et après au fur et à mesure à chaque vidéo, je modifie un peu. C'est moi qui lui ai dit, fais-moi un template de base et après il m'a dit carré et tout, tu vois.
Mais du coup, voilà, on se connaissait pas à l'époque. Et bah, après, on a parlé au fur et à mesure. Et au final, c'est. Et lui, il c'est est plus incroyable actif, il fait plus de vidéos? Pas Tsubasa, lui joue à Bleach, il Ah, fait son taf, et ok. nous on se parle, tu vois, toujours, tu vois, on est toujours là en contact, tu vois. Mais je veux dire, avant on se connaissait pas, du coup c'était lui le premier live que j'avais vu, c'est Fred AZV, d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit. Du Big coup, up. ben, j'ai commencé, ouais, gros big up, c'est le frérot, tu vois. Du coup, j'ai commencé sur la Jap comme ça et tout, après j'ai cherché une conf, j'ai mis un petit tweet, j'ai rencontré Tagotfire, le frérot, du coup, Ok. c'est lui qui m'a dit, ben, viens dans notre conf et tout. Donc du coup, c'était la conf, c'est les Los Gringos, hein, je suis toujours. On se parle toujours tous ensemble. Et de là, j'ai rencontré Betag, j'ai rencontré Cham. Cham, je te parle de ça, c'est les frérots, tu vois. Cham, celui qui était en live tout à l'heure avec moi. Et Kay, après, par la suite, Kay, quand je suis rentré dans sa conf. Et c'est des gens que, tu vois, tu te dis, c'est. En fait, c'est de là où j'ai un attachement quand même au jeu. C'est que j'ai rencontré des gens. C'est que, en fait, je me. Tu vois, moi, je suis pas un gros joueur de base, tu vois. Console et tout, j'en ai même pas, tu vois. Ok. Ça me gave, tu vois, ça me gave. Même Ah, vraiment, tu la vois, genre maintenant PS4, que. là, t'as jamais touché. Si, Ok. j'en avais une, après je l'ai donnée carrément à mon Ah. beau-frère. Ouais, pendant le confinement, on m'a prêté une PS4, j'allais mettre un jour. Mais du coup, t'as fait quoi pendant le confinement? Mais je travaillais, frère. Ah, ouais. Mais après, sinon, c'était ordi. Téléphone, frère, jeux mobiles, j'adore les jeux mobiles. Je joue à tous les jeux mobiles qui existent, j'adore. Voilà. Dès que tu mets un jeu mobile version manga, je vais le tester, frère. Ouais. Ah, j'adore ça, c'est vraiment mon kiff. D'ailleurs, on a Et un ouais. Jojo Bizarre Adventure qui va sortir, qui sera fait Ouais, par Clab. Club. J'attends Ouais, j'ai ça, vu ça. j'attends ça. Ouais, j'attends. Ouais, frère, j'ai dit, même moi, comment ça s'appelle? Il y a Fullmetal Alchemist, il y a Jujutsu Kaisen. Il y en a plein des jeux qui doivent sortir. Mais du coup, voilà, j'ai rencontré des gens, tu vois. Donc, Tagotfire et tout, c'est des vrais. Tu vois, je m'attendais pas à rencontrer. Je me suis dit, je vais peut-être faire des connaissances, mais pas des amis, tu vois. Ouais. Frère, on se connaît pas, on est tous derrière un écran. Je sais pas c'est qui. Ils savent pas qui je suis. S'il faut, je suis gentil là et je suis une pourriture en vrai. Tu vois, on sait pas qui sont les gens. Je m'attendais pas à ça. Au final, j'ai rencontré des vrais frères. Tu vois, on s'appelle tous les jours. On est toujours au tel ensemble. On s'envoie toujours des messages. Là, il y en a un qui habite à Paris. Moi, j'habite dans le sud. Tu vois, on est toujours en contact ensemble et tout. Et ça, c'est tout cet attachement-là qui a commencé à me faire attacher de plus en plus au jeu. Et je pense que c'est une des grosses raisons pour lesquelles je suis encore là aujourd'hui sur le jeu. Moi, Parce que j'ai peut-être que toujours dit, hein, j'aurais. la plus grosse force de La commune. Captain Tsubasa Dream Team, c'est la communauté qu'il y a Bah ouais. autour de ce jeu. Ah oui, parce C'est qu'après. incroyable. Ah oui, c'est un bah, de ouf. Après, du coup, moi, j'ai commencé vite fait les vidéos sur Tsubasa. En fait, c'est Kay qui m'a poussé à faire des vidéos, le frère Kay. Du coup, c'est lui qui m'a poussé à faire des vidéos. Il m'a dit, bah ouais, fais des vidéos. Il m'a montré, il m'a expliqué tous les débuts sur YouTube. Je connaissais rien, pas un béni. Hein. C'est lui qui m'a un peu tout expliqué et tout. Donc, c'est vraiment grâce à lui si aujourd'hui je suis là. Et d'ailleurs, on continue de faire des lives ensemble et tout. Souvent, des lives, des vidéos, on est toujours ensemble, tu vois. Mais c'est grâce à lui, ouais, que je suis là. Et après j'ai rencontré les autres Comanches. Ben, il y a eu un tournoi qui a été organisé à Paris à l'époque. Et c'était Letco qui l'organisait. Je sais pas si tu. Let's Voilà, go, Letco, ouais. il avait organisé un tournoi. Je commençais mes vidéos sur YouTube et il m'avait invité au tournoi. Et il m'avait invité au tournoi. Et après, de là, j'ai rencontré Youssef, tu sais, Atsushi. Mitch fait soirée chez lui. Atsushi, on s'appelle. De temps en temps, on s'appelle. Letan, pareil, soirée ensemble. Ben, comment s'appelle? Aux soirées de Tsubasa, on était ensemble, on se capte, on s'appelle toujours, on se parle toujours et tout. Tu vois, et de là, j'ai rencontré tout le monde. Et comme tu as dit, grosse force de la commu. Et du coup, Je ça dirais fait même énormément plus que plaisir. des amis, c'est presque devenu des frères en vrai. Ben, c'est la famille maintenant, tout Ouais. ça. Ben, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est fou de se dire, en fait, j'ai rencontré ces gens qui tiennent autant la route. T'as vu, quand je dis qu'il tient autant la route, c'est que, tu sais, frère, on se voit pas tout le temps, tu peux me zapper, tu vois, c'est normal, tu vois, tu fais ta vie, je fais ma vie. Et les gens, ils sont toujours là, ils te zappent pas, ça t'envoie un message à ton anniversaire, ça t'envoie un message pour la bonne année, nan, nan, alors qu'on se voit quasiment jamais et qu'on s'est connus sur un putain de jeu mobile. Oula, RNG est Tu cassé, les vois? taux de drop sont merdiques et... Non mais tu sais, je Où on se fait rigole, hein. chier. Ouais, de ouf. Non, mais on a souffert tous ensemble, finalement. Parce qu'on s'est tous fait shaft un jour sur Captain C'est ça. Tsubasa. Mettez en commentaire celui qui s'est jamais fait shaft et dites-vous que ça va arriver. On a tous souffert sur ce jeu et je trouve ça incroyable. Et ouais, c'est 99% pour moi de la communauté si je suis encore là. Et derrière, tu vois, du coup, je me suis continué YouTube. Donc j'ai avancé, j'ai fait mon petit chemin sur YouTube. J'avais pas de matos au début. Frère, je faisais des streams et des lives, tu vas rigoler. J'étais sur un meuble télé. Oula. Ok, j'avais un ordi portable. Et Ouais. je posais sur un meuble télé, j'avais pas de webcam, j'avais. Après, j'ai continué mon petit bout de chemin sur YouTube.
Et pour te dire comment j'ai commencé YouTube au début, c'était la street, frère. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'avais pas de bureau, rien. Tu vois, aujourd'hui, j'ai un bureau, j'ai une tour, j'ai un trépied pour ma webcam. Ah ouais, aujourd'hui, micro, t'es équipé, hein. J'ai un écran, je suis carré, j'ai une chaise de compétition et tout, je suis carré, tu vois. Et quand j'ai commencé, frère, je streamais l'ordi, je poussais la télé du meuble télé, je la poussais, je mettais l'ordi sur le meuble télé, et j'étais assis, je poussais mon lit au fond pour pas qu'on voyait mon lit. Wow. J'étais assis sur une chaise de bureau, tu sais, les chaises d'ordinateur du collège. Ouais, ouais, ouais. Avec le dossier cassé, ça veut dire que j'avais pas de dossier, je me niquais le dos. Celle-là, t'as mal aux fesses, hein, au bout d'une heure. T'as mal aux fesses, t'as mal au dos. Et j'ai commencé comme ça, frère, la street. J'avais pas de micro, rien, pas de casque, que dalle. J'ai commencé comme ça. Après, au bout d'un moment, ben frère, j'ai un peu arrêté parce que tu vois que c'est pas de qualité. Et même toi, quand tu revois ta vidéo, tu dis non, frère, c'est pas possible, tu vois. Je peux pas infliger ça aux gens, tu vois. Et après, petit à petit, tu vois, j'ai commencé à acheter un micro, acheter une webcam. J'ai fait des vidéos, j'ai arrêté. Et là, depuis que j'ai tout acheté, le bureau, la tour et tout, c'est là où, tu vois, depuis, j'ai pas arrêté, tu vois. Depuis, j'ai lancé mes vidéos. J'ai repris avec le portail Tsubasa Barça, tu sais, quand il est arrivé, ouais. La première collab, quand elle est arrivée avec le maillot officiel, là. Qui avait Almeria et Richard. Ouais. Voilà, j'ai repris les vidéos là et depuis j'ai pas lâché, tu vois, les vidéos. Mais là, mine de rien, t'approches des 1000 abonnés. Hein. Bah, je suis à. Bah, déjà, merci la support tout à l'heure que tu m'as donné pour ah le non, fais rien, t'inquiète. Et bah, ouais, du coup, je suis monté, ouais, 700, 705 abonnés, tu vois. Donc, bah, du coup, ça monte bien, ça fait plaisir. C'est surtout au-delà de ça, c'est les retours que j'ai sur mes vidéos, tu vois, à chaque fois j'ai des commentaires, j'ai que des gens bienveillants, Dieu merci, tu vois, pour l'instant j'ai pas eu le casse-couille qui vient de péter la tête, tu vois. Tu vois, il y a déjà eu c'est des. C'est surtout des ça qui donne à ce fort, hein, quand t'es créateur de contenu, ouais. Le fait de savoir que derrière il y a des gens bah, qui aiment bien ce que tu fais, tu vois, et qui te soutiennent, qui t'envoient des messages. C'est exactement ça, c'est quand tu vois les commentaires et que tu vois, oh, ok, lui, oh, il est revenu sur cette vidéo, et là tu vois, dès que tu sors une vidéo, t'as 10 mecs, ils sont toujours là commenter dès la c'est ça. 5 premières minutes. C'est ça. Non, mais tu vois, c'est incroyable. Genre, moi, au début, je faisais mes vidéos. Tu vois, en vrai, on te dit, ouais, regardez pas les vues. Mais t'as envie de regarder les vues parce que tu veux voir si ta vidéo, elle va marcher ou pas. Tu vois, au début t'es obligé, c'est comme ça. C'est obligé. Enfin, moi, en tout cas, je sais que j'étais comme ça. Genre, c'était pas ma vidéo, elle marche pas, je vais passer une mauvaise journée. Mais je dis, bon, bah, elle a pas marché. Et au moins, je sais pourquoi. Ben, ce type de format, elle a pas marché. Donc, Au début, t'as pas beaucoup d'abonnés. Après, moi, je me contente de peu. En fait, j'ai pas été gourmand d'entrée. Parce que je trouve qu'il y a trop de gens qui commencent YouTube. Tiens, ça peut être un conseil si on a des écoutes et qui veulent commencer. Je trouve qu'il y a trop de gens qui commencent YouTube et ils pensent que YouTube, ils vont commencer. Et bam, ils vont avoir 1000 abonnés et paf, ils vont faire 10K de vues. Non. Déjà, il y a un truc qu'il faut savoir, les gars. Si vous voulez, gagner de l'argent avec YouTube, faire un masse de vues, non. Vous lancez pas sur Captain Tsubasa. Hein. moi, c'est le conseil que je pourrais vous donner. Captain Tsubasa, je dis pas ça en mal, hein, mais Captain Tsubasa, c'est un jeu de niche. La plupart des gens, des youtubeurs qui font des vidéos sur ce jeu, c'est parce qu'ils aiment surtout d'abord le jeu. Ouais. C'est vraiment la vraie passion. C'est vraiment la vraie passion. En plus, on n'est pas sur notre business. Ouais. on est assez à galérer comme ça. De ouf. Et non, et en vrai, tu vois, le truc, c'est quoi, ouais, j'ai pas été gourmand, tu vois, en fait, d'entrée, moi, ce que je faisais, c'est que je regardais mes vidéos, au début, je sais pas, j'avais 300 abonnés, je faisais 110 vues, par exemple, 100 vues, et ben, j'étais content, tu vois, je sais qu'il y en a, ils sont pas contents, ils vont dire, ah, 100 vues, c'est pas beaucoup, mais tu prends Squeezie, il a 15 millions d'abonnés, tu crois qu'il fait 15 millions de vues? C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que si tu regardes le ratio, s'il faut, t'as un meilleur ratio que lui. Bah après, ça va, plus t'as d'abonnés, plus c'est dur de faire une vue, un abonné, tu vois. Mais je veux dire, voilà, ce qu'il faut se dire, c'est que t'auras pas tous tes abonnés, ils vont regarder toujours toutes tes vidéos, déjà, tu vois. Après, par exemple, si on prend une chaîne qui date un peu, il y a des abonnés, il y a des chaînes qui... Enfin, des abonnés qui meurent, je suis un ouf. Mais il y a des abonnés qui deviennent fantômes, tu vois. Il y a plein de petits trucs comme ça à prendre en compte. Après, moi, il y a un truc que j'ai fait, tu vois, j'ai fait tourner ma chaîne à personne. À aucun de mes amis. À personne de ma famille, parce que si je veux, c'est pas pour faire le mec, mais si je veux, alors maintenant j'ai 2000 abonnés, tu vois. Genre, je connais plein de monde qui connaissent plein de monde, et c'est. Vas-y, après, c'est de l'entourage qui va s'abonner, mais derrière qui va pas vraiment suivre. Voilà, et tu as pas de vue. Et tu vas te dire, oh, mort. J'ai 2000 abonnés, mais je fais que 200 vues, tu vois. Ah, moi, même mes potes, quand même, si tu veux qu'on s'abonne, je dis, tu vas regarder les vidéos. Non, t'abonnes pas, frérot, je m'en bats les steaks. T'as besoin d'avoir des abonnés. Je préfère des abonnés actifs, et ouais, et du coup, maintenant, c'est vrai que maintenant, quand je sors une vidéo, ben, ça fait plaisir, tu vois, je sors une vidéo. Je sais qu'au bout d'une heure, j'ai déjà fait 500-600 vues, alors qu'avant, ben, ça mettait 3-4 jours avant de les faire, tu vois. Donc maintenant, ça fait grave plaisir, tu vois. Et à chaque fois, je te dis, les retours, ils sont positifs.
voilà, c'est... Et en fait, c'est ça, comme tu dis, en fait, quand t'as des retours positifs, que les gens, ils kiffent ton contenu, ben, s'ils sont toujours là, je pense qu'ils aiment ton contenu, tu vois, sinon, c'est des malades. Et du coup, ben, ça donne de la vraie support et ça donne vraiment envie de continuer, tu vois. Quoi, moi, c'est ce qui me pousse... Moi, tu sais qu'en ce moment, tu vois, par exemple, je suis en accident de travail, j'ai une fracture du coude, okay. Donc c'est pour ça que je suis beaucoup disponible. Ah, c'est pour ça que t'as l'affût sur toutes les news à chaque fois, là. C'est pour ça que je suis là, dès qu'il y a un truc, je peux me permettre. Moi, je sais que, tu vois, je sais que les mises à jour de Tsubasa, c'est lundi, mercredi, vendredi. Toujours. Moi, tu vois, je travaille pas, je pourrais me lever à midi, ben, je mets mon réveil à 8h du matin pour être à l'affût de la news. Parce que c'est pas pour faire dire « Ouais, je suis le premier, venez vous abonner !» Parce que j'aime bien. Et t'es disponible, ouais. Voilà, je me lève, je bois mon café, je fais ma petite douche, je fais ma vidéo, je fais mon montage, je balance ma vidéo. À 10h, t'as ma vidéo, elle est balancée, tu vois. Je suis content, tu vois. Et j'ai passé un bon moment, j'ai fait ma news, je lis les coms derrière, j'ai les retours, ah, merci la vidéo, ça fait plaisir. Je pense que ça, c'est plutôt ça, t'as dit ça, nanana. Et tu vois, même toi, tu te trompes, t'apprends des autres. C'est ça, au fur et à mesure, t'avances. Voilà, et ça, j'ai kiffé, tu vois, ce matin, j'ai fait mon live. Ça peut paraître rien du tout, mais je live quasiment jamais. J'ai fait mon live ce matin, on était 51 sur le live. J'ai dit, waouh, mais attends, on est où là? Moi, d'habitude, je live, on est 4-5, tu vois. Comment, d'un coup, 50 personnes qui débarquent. Je crée mon Discord en 2 jours, pareil, y a 50 personnes sur le Discord, tu vois, c'est des chiffres qui vont peut-être, il y en a qui vont dire, ah, c'est bidon. Mais quand t'es peu... tu vois, c'est toujours bidon pour quelqu'un. Voilà, mais moi, ça, juste ça, ça me fait un plaisir de fou, tu vois. Genre, je suis hyper content, je me dis, eh ben, ça va monter petit à petit et je suis en train de construire quelque chose, je suis en train de construire une communauté. Et les gens, ils sont là, ils sont bon vivants, et ça parle, et ça rigole, et frère, il n'y a jamais un mot déplacé, il y a... Tu vois, c'est... Après, j'essaie toujours de mettre le smile, tu vois, il y a un shaft, c'est pas grave, les refs, c'est un jeu, c'est pas grave. C'est des pixels, tu vois, des fois, je suis dégoûté, après, je coupe la vidéo, je dis, putain, ça rase. Mais devant la vidéo, devant le live, frère, c'est pas grave, c'est des pixels, de... t'as pas de drop aujourd'hui, tu dropperas demain, on s'en fout. Venons, on met le smile, sourire, toujours content, et vas-y, let's go. Et je pense que les gens, ils ont bien apprécié aussi ça, la good vibe, tu vois. C'est ça, c'est important, toujours garder la bonne humeur. Voilà, tu peux me voir des fois un peu... que je suis dégoûté, mais tu m'entendras jamais faire « Ah putain, jouet de merde, nanana !» C'est pas moi qui ai de faire un truc comme ça, tu vois. Genre, déjà, j'aime pas et je suis pas comme ça, tu vois. Genre, même si j'invoque chez moi tout ça, je dirais « Ah putain, je me suis fait chasse, ça fout les boules. Je ferme le jeu, je passe à autre chose, ma journée, elle se déroulera pareil, frère. Hein. Je suis pas... je suis en bonne santé, Dieu merci. » C'est ça, il y a un truc, faut pas oublier, c'est qu'on a la santé avant tout. Hein. Voilà, c'est ça. Il y en ça. A qui l'ont pas, c'est... tu vois, donc faut déjà se réjouir de ça. Quand je ferme le jeu, moi, le jeu, il est terminé, tu vois. Genre, y a pas, genre, c'est bon, frère. Genre, j'adore le jeu, j'adore en parler. Non, mais tu vois, mais il y en a, c'est triste, ça joue sur leur morale de la journée. Il y a des gens, ils vont pas drop, tu sais, c'est peut-être, toi, t'es pas comme ça, donc toi, ça peut-être paraît bizarre. Je t'avoue qu'à une époque, quand même, hein, j'étais beaucoup, ça me piquait, hein. Ah, ça me piquait de ouf, je t'avoue. Moi, je suis un peu, en fait, je m'investis dans les trucs, mais après, je suis un peu, je m'en foutis sur les trucs, genre ça, je sais que c'est un détail, tu vois. Genre, un truc dans ma vie irait... Oh, j'ai galéré, c'est pas bien ça. Dans ma vie en réel qui se passe, ça peut me foutre les boules. Mais ça, vas-y, je me dis tant pis. Je ferme le jeu au pire pendant 2-3 jours, j'y joue plus parce que. Genre, ce que j'ai fait à l'anniversaire quand il y a eu Tsubasa Barça et Naturezza, 1800 Dream Ball pour avoir rien du tout. Et il y avait pas la pitié à l'époque. La pitié, elle existait pas, frère. Non, nous on est arrivé à la dure sur le jeu. La pitié, elle existait pas. 1800 dB, je me suis fait chaffe 1800 dB, tu vois. Genre, je pense qu'il y en a, ils ont fait pire, mais 1800 dB, c'était hardcore déjà, tu vois, à l'époque. C'était pas un compte acheté, tu vois, c'était 1800 dB que t'as farmé, que t'as mis de côté. T'as économisé en mode, tu les as mis sur le PEL et tout. Voilà, que t'as économisé, mon rêve. Et wow. Heureusement, je suis pas cash player, hein, c'était du free to play. Heureusement, je suis pas cash player. Et du coup, ouais, je te disais, je me suis fait chaffe, voilà, je t'avoue que le jeu là, pendant 5 jours, je l'ai pas regardé, frère. Je fermais le jeu, je dis, je joue plus. Et ciao. Ça m'a foutu les boules sur le moment, je fermais le jeu, je dis, ciao, ouais, on passe à autre chose, soit je passe sur un autre jeu, et j'ai déliré, et puis au revoir. C'est pour ça que j'aime bien jouer à plein de jeux, parce que tu t'es fait chasser sur Tsubasa, tu vas dropper sur des belles légendes. C'est ça, s'il y a un conseil que je pourrais donner aux gens, c'est ne jouez pas que à Tsubasa. Il y a un petit truc à côté, soit pour décompresser, soit pour passer à autre chose. Ouais, moi tu prends mon téléphone, il y a un milliard de jeux, frère, c'est une Game Boy, c'est pas un téléphone. C'est une Game Boy, frère. J'adore les jeux, je vais te télécharger tous les jeux qu'il y a, je les prends, je teste. Ah, ça j'aime bien, ça j'aime pas, ça je vais jouer une semaine, après je vais le dégager, ça je vais jouer une heure, après j'arrête, ça je vais jouer 10 minutes, c'est dégueulasse. Et j'adore ça, tu vois, il y en a, ils adorent. C'est ça, jeu mobile, je kiffe, tu vois. Et là, je commence à prendre du plaisir avec l'ordi maintenant. Ouais. À jouer un peu à l'ordi et tout. Là, je commence à prendre du plaisir. Parce que quand je joue maintenant, je me mets en live. En fait, c'est le live. Ouais. C'est les jeux, toujours les lives, pareil, c'est cool, la hein. Commu qui donne la force. Les lives, c'est très cool, ouais.
C'est la, comme d'hab, c'est la commu finalement qui donne la force, tu vois. Encore une fois. Bon, Bobby, un échange très intéressant, très fructueux. On a fait plus d'une heure, hein, plus d'une heure d'échange quand même. Je m'attendais pas à ça. C'est aussi la découverte d'une personne, d'un homme derrière le pseudo, derrière un peu la PP. Et franchement, ça m'a fait plaisir d'avoir ce petit moment avec toi. Eh ben moi aussi, grave content. Je t'ai dit, j'ai même pas vu passer les 1h30. Là, tu me disais, on continue pendant une heure. De ouf, hein, même 2-3 heures. Bon, après, bon, faut aller dormir, mais bon. Hein. Après, ça y est. On s'est compris. C'était carré et je pense que je m'avance pas trop en disant que je pense qu'on va faire des trucs ensemble. À l'avenir, sur, hein, YouTube, il le faut. Twitch et tout, ouais, voilà. Parce que, ouais, pareil, tu vois, on se connaissait pas, on s'est rencontrés il y a très peu, il y a pas très longtemps qu'on a commencé à parler au final. Comme je l'ai dit en début de live, il y a que les grosses têtes qui se rencontrent pas. C'est ma nouvelle expression. Non, mais c'est ça, et au final, Cash a eu le feeling, Cash ouais. Très bien entendu, Cash délire, et direct vidéo, quoi. Et vidéo fait avec bon cœur, tu vois, genre, je me suis pas forcé pour te faire plaisir ou pour me dire, bon, vas-y, ça va me faire un contact dans YouTube. Les calculateurs, là. Non, je viens de bon cœur. Bah, de toute façon, frère, j'arrête pas de parler, je m'arrête même pas. Donc ça prouve que c'est vraiment de bon cœur, tu vois. En plus, je passe après Atsushi le frérot, et ça, c'est quand même un sacré honneur que tu me fais. Ben... Ça, c'est un sacré honneur. Ben... Cœur sur toi, mon frérot. Yep. Moi, tout ce que je peux dire, c'est que on se laisse l'avenir. On se laisse l'avenir, on verra ce qui va arriver. Et restez connectés, hein. Il y a des choses qui vont arriver... C'était avec branché. Le frérot Bobby sur la chaîne et même et en dehors. Bah oui. Et je voulais dire aussi, abonnez-vous à la chaîne de Gunzy, il arrive aux 1000 abonnés. Ah, bientôt. Au moment où on tourne là, il reste 30 abonnés. Hein. 30 abonnés, voilà, après c'est carré. On lui fait péter les 1000 abonnés avant la fin de l'été, s'il vous plaît. Ouais, je pense qu'il va arriver dans pas longtemps. Ouais, je pense il que faut. D'ici 2 semaines, on est carré. Au final, après cette vidéo, faites-lui péter les 1000. Hein. En vrai. En vrai, au final. Au final, non. Bon, les gars, c'était le Fight Club. Je sais même pas, on est sur quel volume. Vous me le direz en commentaire. Laissez votre like, les gars. Abonnez-vous. Je mettrai dans la description la chaîne du frérot Bobby. Donc, allez vous abonner si vous avez kiffé. Et voilà, c'était nous, les gars. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut.